Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve dans cette vidéo pour la présentation d'un jeu que je suis mais absolument ravie d'avoir reçu. Ce jeu, je l'ai repéré il y a quelques temps. J'avais vu passer d'occasion. Et je ne l'avais pas acheté parce que bon, son prix était quand même relativement élevé, bien que intéressant par rapport au prix du neuf à cette époque-là, et que j'avais fait quand même pas mal d'achats dans ces moments-là. Et donc, je ne l'avais pas pris. Et puis après, bah, il n'était plus disponible, bien entendu. Quelqu'un d'autre l'avait acheté. Et j'avais été voir le prix du jeu neuf, hein, parce qu'on peut encore le trouver. Il y a une boutique Etsy de la créatrice. Et donc, neuf, il coûte encore plus cher, bien qu'elle fait des promos, parce que je suis allée revoir sur son site. Et donc, elle fait parfois de très, 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 très belles promotions. Mais bon, il faut vous dire que c'est un jeu qui vient évidemment des États-Unis. Et donc, vous avez de gros frais de livraison, bien entendu, et évidemment la possibilité d'avoir aussi des frais de douane et de TVA supplémentaires si vous n'y échappez pas. Et il se fait que la semaine passée, en faisant un petit tour sur Vinted comme à mon habitude, n'est-ce pas Ingrid, je le vois passer à un prix, mais j'ai ouvert des yeux comme ça, j'ai même bien vérifié que c'était pas une contrefaçon, qu'il ne manquait pas de cartes, que je n'étais pas abîmée, enfin, je n'en reviens toujours pas du prix que je l'ai payé. Et je suis donc ravie de vous montrer ce jeu qui s'appelle donc le Soul Trees Oracle Card, qui a été créé par Alison Williams Yee. Et qui sont donc des cartes qui représentent des arbres. Donc, c'est un oracle de 80 cartes. Moi, j'ai une édition de luxe, donc de 2016. Donc, ce n'est pas la dernière édition. Il y en a une autre sur son site maintenant. Mais la boîte est vraiment magnifique. Vous voyez, la boîte, elle est un petit peu, comme on fait aussi les jeux, un peu lignés, comme ça. Elle est de vraiment le toucher et... vraiment très très chouette. Elle s'ouvre comme ceci, donc pas en deux parties, donc comme ceci. Vous voyez, à l'intérieur, c'est pareil, elle est décorée. On voit bien à l'intérieur la matière de la boîte. Donc voilà, le fond de la boîte est comme ceci. Et donc j'ai été voir l'édition qui est disponible actuellement. Le dos des cartes est bleu, si j'ai bien vu. Et je suis ravie d'avoir celle-ci parce que j'aime mieux le dos. J'aime mieux les couleurs de celui-ci en fait. Et donc, c'est donc un oracle sur les arbres, bah oui. Et pour le moment, je ne sais pas, je suis très branchée oracle arbre. Mais celui-ci est particulier, vous allez voir. Donc, j'ai la petite carte de la créatrice. Donc, il y a son site, il y a son mail et elle a une boutique Etsy. Voilà, vous voyez sa boutique Etsy. La petite carte est très jolie, je trouve aussi. Alors, on a un petit guidebook avec un tout petit peu des instructions. Il y a très peu de choses, hein. Je pense même qu'il y a beaucoup d'explications sur le jeu. Elle parle parce qu'il y a des cartes chakras. Et puis, il y a juste un tout petit peu, voilà, quelques mots-clés en fait. Il y a très très peu sur les cartes. Voilà. Vous voyez, il y a très 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 peu de choses sur les cartes. Je pense que dans la nouvelle version, par contre, il y a un... Le guidebook est un tout petit peu plus fourni et puis il est en... J'ai vu que la couverture était en couleur. Mais en fait, comme je préfère le dos de ces cartes-ci, je suis quand même ravie d'avoir cette édition-ci.
et surtout de l'avoir trouvé bah, au prix où je l'ai trouvé. Et puis, vous savez, ça, c'est vraiment mon côté collectionneur. Je m'aperçois qu'en fait, bien sûr, il y a un côté un petit peu addiction à l'achat des jeux. Bien sûr, on est bien conscient que probablement ça comble des manques qu'on a quelque part. Mais j'ai vraiment en moi, en tout cas, ce côté passion de la découverte au niveau des collections, de rechercher le jeu que je cherche, de le trouver. C'est un peu. Ça me fait des challenges en fait. J'adore ça en fait. Regarder, fouiner sur les sites, de voir à quel prix je peux le trouver, est-ce que c'est intéressant. J'aime vraiment ça et donc j'ai eu énormément de plaisir à acheter ce jeu justement pour toutes ces raisons-là et pour le fait que j'avais très 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 envie d'avoir ce jeu depuis que j'ai vu quelques cartes. Vraiment, j'adore ce jeu. Et donc, vous allez voir qu'il est assez particulier parce que en fait, on a des arbres où on n'a pas les feuilles, vous voyez, mais néanmoins, on a tellement de couleurs différentes que je trouve que l'énergie de ces cartes est absolument fantastique. Donc, vous voyez, il y a les cartes de tous les chakras. Et donc, dans le petit guidebook, je pense qu'elle explique comment utiliser ces cartes. Mais encore une fois, c'est quasiment une unboxing, là. Toutes les vidéos que je vous ai tournées ici, dans la foulée, sont des jeux que je viens tout juste de recevoir. Et je n'ai pas encore eu le temps de les regarder à fond. Donc, je les découvre quasiment avec vous. Et donc, vous voyez, il y a juste comme ça une espèce de silhouette autour des branches, comme si c'était vraiment l'énergie des arbres, en fait. Vous voyez? Et comme si, quelque part, on voyait, comme nous avons, nous, nos différents corps. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des représentations, en fait, de nos différents corps. Et c'est comme si on nous montrait ici les différents corps des arbres, en fait. Je trouve ça très, 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 très joli. Et donc, c'est un peu comme si on voyait les corps énergétiques des arbres, en fait. Et j'étais aussi vraiment impressionnée par les couleurs de ces cartes. Je les trouve vraiment magnifiques. Quand je les avais vues, mais j'étais vraiment mais tombée en amour avec ces cartes. Et depuis, ben, voilà, il était sur ma wishlist. Et quand je l'ai vu passer la semaine passée, j'étais tellement, mais tellement contente. Voilà, en plus, je pense qu'il n'est vraiment pas compliqué, même pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Les mots-clés sont tellement simples que vraiment. Je pense que ça ne doit pas vous arrêter. En plus, si vous voulez même traduire, il n'y a pas grand-chose à traduire. Donc, celui-ci est un des seuls arbres, je pense, où on voit bah, comme des feuilles ou des fleurs. Vous voyez? Il y a celui-ci aussi. Après, je n'ai pas lu le petit guidebook. Il y a peut-être des. Ça peut être un lien avec les significations des cartes. Ou bien, moi, je vais peut-être en faire une. Hein. Je peux vous dire, j'ai pas fait de tirage avec. J'ai juste vérifié que tout y était. Et dans la foulée, j'ai décidé de tourner les reviews de ces jeux que j'ai reçus dernièrement. Et donc pour pouvoir vous les mettre, celle-ci, je la trouve fantastique. Merveilleuse. Donc je disais pour pouvoir vous les mettre Oh, je cherche mes mots. Donc pouvoir entrecouper mes vidéos sur mes jeux les plus perchés. Bon, celui-ci pourra en faire partie, hein, très, très franchement.
Et donc, pour ne pas vous lasser avec le même sujet, sans vous proposer autre chose. J'adore les couleurs de cette carte. C'est vraiment un jeu que je trouve magnifique. Ah oui, tant qu'on y est, je vais vous parler. La qualité est excellente. À la fois, les cartes sont épaisses et à la fois suffisamment souples, je pense, pour ne pas s'abîmer. Très légèrement glossy, vous voyez, enfin, c'est même pas glossy parce que c'est très très légèrement. Voilà, on voit quand même ma lumière qui se reflète dedans. Donc, c'est pas vraiment le toucher mat. Mais en même temps, voilà, j'ai pas de mal non plus à chercher ma lumière comme avec des cartes très brillantes où j'aurais le souci du reflet de ma lampe. Voilà, je le trouve vraiment. Je suis tellement contente de l'avoir, celui-ci. Tellement. Voilà. Presque quelque part, je suis encore étonnée de l'avoir entre les mains. Voilà. Je vous le dis vraiment, là, je me dis, waouh, je l'ai, le Soul Trees. J'ai le Soul Trees. Vraiment. Quelque part, c'est presque comme si j'y croyais pas encore. Il est tellement beau, je trouve. Après, peut-être qu'il plaira pas à tout le monde, hein. Je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, quand je l'avais vu, j'ai eu mais un véritable coup de cœur pour ce jeu. Mais vraiment. Je trouve qu'il se dégage une énergie des illustrations. C'est vraiment quelque chose qui vibre avec moi. Les couleurs, mais même la forme des arbres en fait, hein. Ça forme en tout, c'est pas que les couleurs, mais vraiment, je l'adore. Réellement. Voilà, je vous laisse profiter des cartes parce que c'est tellement beau, je trouve que ça n'a pas besoin de plus. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Et nous terminons sur Freedom, la liberté. C'est une belle carte pour terminer cette présentation donc du Soul Trees Oracle Cards de Alison Williams Yeh et que donc vous pouvez retrouver sur sa boutique Etsy. Je vous remontre la petite carte pour ceux qui voudraient voir. Donc elle a aussi un site soultrees.com et voilà. Sur Etsy, c'est Soul Trees Art. Voilà, n'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!